3, 2, 1. Rebonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette dernière conférence du Salon Cyclo Centre-Val de Loire. Comme vous le savez, et ça va s'afficher sous vos yeux, nous allons parler maintenant de la question de l'importance de la donnée et du numérique dans l'aide à la décision. Bien étudier et visualiser les problématiques, dimensionner et cibler les solutions, anticiper les crises. Les données permettent aujourd'hui beaucoup, et notamment de mettre en lumière et de mieux se représenter les enjeux de l'eau. C'est pourquoi les collectivités et les entreprises développent l'usage de ces données. Nous allons parler ici notamment de l'expertise et de l'écosystème, régionaux qui existent en matière de données et qui permettent de concevoir des solutions pour l'avenir. Nous allons dans un premier temps faire un état des lieux avant d'accueillir 7 porteurs de solutions. Une conférence très riche et rythmée, mais nous allons ressortir de tout ça plein d'idées innovantes. Je vous signale au passage que des temps d'échange sont prévus avec le public. Il y aura 2 moments pour cela dans la conférence, donc n'hésitez pas à préparer des questions et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre, j'en suis certaine. Et je précise également que cette conférence est filmée et enregistrée, donc dans quelques jours, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Cyclo et revisionner les slides qui vont notamment apparaître et peut-être défiler un peu vite. Pour commencer, nous allons accueillir Grégory Delobel, chargé de mission Climate Data Hub, je ne sais pas si je le dis bien, à la direction de l'appui à la donnée, au pilotage et aux transitions pour la région Centre-Val de Loire. Bienvenue, installez-vous. Et Laurence Gourcy, responsable d'unité évaluation et valorisation des connaissances sur l'eau au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Grégory, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez déjà nous poser un peu le contexte de la stratégie numérique de la région, avec notamment les projets que vous soutenez ? Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, Grégory Delobel, je suis effectivement chargé de mission au Conseil régional dans une unité qui est en charge effectivement la gestion de la donnée et une question importante qui est en lien avec la donnée, qui est celui du pilotage des politiques publiques. Alors effectivement, quelques mots d'introduction sur la donnée environnementale, qui est, comme on l'a partagé avec Hervé, avec qui on a préparé cette intervention, l'ADN de la région Centre-Val de Loire. Et pourquoi l'ADN de la région Centre-Val de Loire ? D'abord parce qu'on bénéficie effectivement d'un écosystème, vous l'avez dit en introduction, très favorable, à la fois avec des grands établissements scientifiques que représente Laurence, hein, le BRGM, mais on a aussi l'INRAE, enfin d'autres, les universités bien évidemment, des laboratoires, qui sont là pour produire de la donnée. Et qui viennent alimenter effectivement cette collecte de données qui est essentielle. Et puis on a aussi un terreau favorable d'un point de vue recherche et innovation, avec un grand nombre de chercheurs, d'ingénieurs spécialisés dans les domaines environnementaux, hein, avec les établissements scientifiques et les universités que j'ai déjà citées. Et puis effectivement, on a des engagements forts sur le plan politique cette fois-ci au travers des collectivités territoriales. Alors bien évidemment, il y a la région, je vais en dire 2 mots tout de suite, mais il y a d'autres collectivités régionales qui portent cet intérêt à la gestion de la donnée environnementale. Et effectivement, cet écosystème, il est doublé d'une ambition. Alors je vais en 2 mots, la stratégie numérique responsable de la région Centre-Val de Loire qui a été votée en décembre 2022, elle met en avant l'idée qu'il faut qu'on soit dans un territoire de confiance numérique. Je vais y revenir un petit peu plus tard en vous parlant du Climate Data Hub. Cette notion de confiance, elle est essentielle dans le partage de la donnée parce que sans elle, généralement, le partage ne se fait pas. Et donc, il faut effectivement créer un environnement favorable pour générer cette confiance. Et puis, il faut également impulser, et ça c'est bien le rôle d'une collectivité territoriale comme la région qui est à la bonne dimension, il faut impulser cet environnement dynamique et collaboratif et faire en sorte que tous les acteurs, tous les types d'acteurs, à partir du moment où, à un moment ou un autre, ils sont en rapport avec la donnée, ils puissent interagir ensemble.
Et puis enfin, c'est l'idée que, et là on rentre dans la problématique spécifique du numérique responsable, on doit être capable de réfléchir sur comment on peut mettre la donnée intelligemment au service de la question du changement climatique. C'est le fameux IT for Green et Green for IT, hein, les deux volets du numérique responsable. Et donc voilà comment on fait aujourd'hui pour que la donnée soit un levier, un outil au service de la lutte contre le changement climatique. Alors, la donnée environnementale ADN de la région Centre-Val de Loire, c'est aussi des enjeux multiples. Hein. Je l'ai déjà dit, mais le pilotage, l'évaluation des politiques publiques, mais aussi et surtout la gestion de l'innovation et dans des secteurs comme l'eau, on va le voir tout à l'heure avec les acteurs économiques. C'est aussi des questions d'observation, la compréhension, l'appropriation, la mobilisation et l'engagement des parties prenantes pour mieux comprendre les phénomènes qui sont liés au changement climatique. Et ça, la donnée, effectivement, dans les observatoires, notamment, c'est essentiel. Et puis, c'est aussi la question de l'appropriation de cette donnée. Et là, on rentre dans des questions qui sont plus des questions de gouvernance et de souveraineté territoriale. Comment les collectivités territoriales, notamment dans leurs relations avec des DSP, par exemple, sont capables de reprendre la main sur leurs données, comment elles peuvent se les réapproprier pour mieux travailler, mieux évaluer leurs politiques publiques. Et comme je le disais, effectivement, la gestion de la donnée environnementale, c'est aussi des données qui sont issues de toutes sortes de producteurs. Donc j'ai appelé ça des données éparses, mais effectivement, elles sont entre les mains des acteurs publics. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on appelle les données publiques ou open data, hein, qu'on connaît bien et qui a été réactivée par la loi pour une République numérique en 2016. Elles sont aussi aux mains de leur DSP, donc leur délégation de services publics, notamment sur la compétence eau. Elles sont beaucoup, et ça, on commence à s'en apercevoir, entre les mains des entreprises privées, qui sont des fois, d'ailleurs, maintenant inscrites dans le bilan comptable des entreprises. C'est un actif numérique, hein, la donnée, pour certaines entreprises. Et donc, la question de savoir comment on va chercher, comment on va mobiliser cette donnée privée, qui est un gisement essentiel pour les politiques publiques, comment on fait pour la rapatrier. Et puis, bien évidemment, la donnée personnelle, c'est-à-dire la donnée de tout à chacun, qu'on peut émettre au travers de notre téléphone portable ou tous nos objets connectés. Cette donnée personnelle, elle peut aussi nous permettre de mieux comprendre, de mieux identifier les phénomènes et aussi, pourquoi pas, de trouver des solutions en agissant et en incitant des comportements individuels plus vertueux. Et donc là, quand on parle de données personnelles, on parle tout de suite de la réglementation RGPD et comment on fait pour mobiliser cette donnée personnelle tout en respectant la RGPD. Une des réponses du BRGM, j'ai appelé ça la réponse de la région, mais c'est parce que je commence à avoir un petit peu de mégalomanie en moi, faut croire. Mais je reviens sur cette question de confiance au cœur d'un dispositif de partage. Donc c'est le projet que je porte en tant que chargé de mission qui s'appelle le Climate Data Hub et qui a pour vocation d'être le premier cadre de confiance et de collaboration sur la thématique du climat et de la transition écologique. Et l'objectif, il est très simple, effectivement, c'est de travailler sur le partage de la donnée au service de la transition écologique, que ce soit sur le volet adaptation ou sur le volet atténuation, afin d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter aux bouleversements climatiques. Donc pour ce faire, le Climate Data Hub aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est d'abord et avant tout un consortium d'acteurs. Donc on est aujourd'hui une trentaine d'acteurs, partenaires publics, privés, on a des collectivités territoriales, on a des associations, on a des observatoires, on a une agence d'urbanisme. Et puis côté privé, on a des grands groupes comme Orange, comme GRDF, mais on a aussi des petites start-up qui sont apporteurs de solutions et qui viennent nous aider à actionner effectivement ces données, à les valoriser, à faire en sorte qu'on puisse progresser dans la compréhension des phénomènes ou dans l'identification de solutions nouvelles. Le deuxième aspect, c'est effectivement de vouloir travailler sur le fait d'avoir un espace de maîtrise de la donnée. On en revient à la question de souveraineté que j'abordais précédemment. Cet espace de maîtrise de la donnée à l'échelle territoriale, ça implique à la fois un cadre juridique, un cadre bien évidemment technique. Et pour ce faire, on va s'appuyer notamment sur le data centre du BRGM. Le data centre, c'est un hébergement local, souverain, qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a vocation à héberger le Climate Data Hub dans ses infrastructures techniques. Et puis aujourd'hui, le Climate Data Hub, c'est avant tout un porteur et un incubateur de cas d'usage. Ce qu'on appelle les cas d'usage, hein, c'est des problématiques environnementales qu'on traite en mobilisant de la donnée et qu'on traite et qu'on essaye de répondre avec de la donnée et avec sa valorisation.
Et donc, ces cas d'usage qu'on a appelés des cas d'usage à impact, effectivement, soit sur la volée adaptation, soit sur le volet atténuation, qui permettent effectivement de faire émerger des solutions. Un exemple, pardon, de ces cas d'usage? Oui, bien sûr, j'en ai même plusieurs, si vous le souhaitez, mais il y en a un qui est assez symbolique, c'est celui sur les îlots de chaleur urbains. D'accord. C'est un sujet qui est très d'actualité, qui est très porteur, parce qu'on est vraiment dans cette question fondamentale de la résilience urbaine, en fait, face au changement climatique. Un îlot de chaleur urbain, tout simplement, c'est un endroit qui emmagasine de la chaleur et qui n'arrive pas à la... Enfin, qui la restitue malheureusement et qui la restitue la nuit quand les gens ont envie de dormir. Et quand il fait 24 degrés, bah, vous dormez beaucoup moins bien que quand il fait 18 degrés. Donc comment on améliore cette question? Comment on travaille à partir de la donnée pour répondre à cette problématique des îlots de chaleur urbains? Donc là, on va chercher des données sur l'occupation des sols, sur le ressenti, sur les matériaux de façade, sur le taux de végétalisation, bien sûr, on en parlait hier après-midi lors de la conférence institutionnelle. La renaturation, bien évidemment, des centres-villes urbains est au cœur de cette problématique des îlots de chaleur urbains. On a aussi travaillé sur un deuxième cas d'usage autour de la décarbonation des transports liés aux mobilités scolaires. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu, le Conseil régional a fait son bilan carbone comme beaucoup d'autres acteurs en 2019, et presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont liées à ces déplacements. Donc comment on fait, là encore, pour mobiliser la donnée qui va venir d'opérateurs de transport, d'opérateurs de téléphonie, parce que les opérateurs de téléphonie sur la mobilité, ils ont des données qui sont très précieuses. Et puis comment on va mobiliser la donnée des enseignants, des lycéens, des personnels encadrants, des parents d'élèves, pour essayer de mieux comprendre comment se déplacent tous ces gens et comment on fait à un moment ou un autre pour réduire en fait l'impact carbone de tous ces déplacements. Et puis il y a un troisième cas d'usage qui est le plus abouti aujourd'hui dans le cadre du Climate Data Hub, qui s'appelle Préviso. Préviso, c'est un projet qui vient d'être lauréat d'un appel à projet national DIAT, donc démonstrateur d'intelligence artificielle frugale, j'insiste sur cette notion parce que c'est important, au service de la transition écologique et des territoires. Et donc là, l'objectif de Préviso, c'est de travailler sur la prévision des stress hydriques. Alors on en parlait justement hier, vu le contexte actuel, on est plutôt sur comment on va mieux prédire les inondations, mais si on revient 2 ans en arrière, la question du stress hydrique, elle était au cœur de toutes les préoccupations. Et donc là, l'idée, c'est de travailler à la fois sur l'anticipation de ce stress hydrique, mais aussi de connaître l'impact que ça a sur la qualité des eaux de rivière. Et donc, c'est un projet partenarial, hein, comme vous pouvez le voir, avec un territoire d'expérimentation qui se situe en région Centre-Val de Loire, puisque c'est le bassin versant aval du Cher. C'est un projet assez ambitieux quand même, avec un beau budget. Et donc, l'objectif, c'est bien de créer un outil d'aide à la décision pour les collectivités territoriales, pour les syndicats de bassin, pour l'ensemble en fait, des acteurs de la gouvernance de l'eau qui, à un moment, ont à prendre des décisions. Ça peut venir aider un arrêté sécheresse, ça peut venir alimenter les fameux HMUC qui sont gérés par les établissements publics de rivière. Voilà. Et d'établir en fait, effectivement, des liens un peu inédits, un peu nouveaux entre quantité et qualité des eaux de rivière. Voilà, ça veut dire qu'ils catalysent, entre guillemets, les données de tous ces partenaires-là. Exactement. Pour alors, produire des prévisions. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant avec ces partenaires, c'est qu'en fait, on a toute la chaîne de la donnée, de la production jusqu'à la valorisation, par des modèles de combinés. En fait, il y a aussi une approche intéressante sur le plan technique, puisqu'on va vers une approche combinatoire qui combine modèle physique et modèle d'intelligence artificielle. Mais effectivement, vous avez des producteurs de données, vous avez des gens qui sont là pour la gérer, notamment le BRGM, hein, qui est un grand gestionnaire de données sur l'eau, avec un acteur cœur du système d'information sur l'eau. Et puis après, vous avez effectivement des acteurs qui vont venir travailler sur les algorithmes d'intelligence artificielle, qui vont être capables effectivement de prédire, enfin on l'espère, en tout cas c'est l'objectif, de prédire ces fameuses périodes de stress hydrique et de prévoir également les potentiels épisodes de pollution chimique comme les cyanobactéries ou autres. Et de mieux anticiper la du coup, effectivement, de mieux anticiper la prise de décision. Soit sur les conflits d'usage, est-ce qu'on privilégie plutôt l'alimentation en eau potable, les prélèvements pour l'agriculture, l'eau pour le tourisme, et puis il va y avoir de nouveaux usages, hein. On parlait en début de semaine là, à Blois de la création de l'hydrogène vert par exemple, ça va être une nouvelle source de consommation d'eau, et puis en même temps aussi de prendre les bons aménagements qui vont bien, et ça c'est notamment le rôle des syndicats de bassin, pour effectivement mieux appréhender les problèmes de pollution, mieux travailler sur la préservation du milieu et donc mieux travailler sur la préservation de la biodiversité. Merci beaucoup Grégory Delobel pour ce panorama régional. Laurence Gourcy, du côté du BRGM, il y a aussi une forte implantation, on l'a dit, naturelle ici à Orléans, mais vous allez également nous présenter un projet phare. Je vous laisse la parole. Merci.
Ça va augmenter tout seul, ne vous inquiétez pas. Nickel. Parlez bien devant et ça marche. Donc moi, je suis Laurence Gourcier, donc du BRGM. Je suis hydrogéologue. Au BRGM, bon, Grégory l'a un peu dit avant, mais c'est vrai qu'on a un rôle très important sur la donnée, la mise à disposition de données sur le sous-sol, dont les données sur l'eau souterraine. Et les conséquences de cette donnée ou les possibilités que apportent ces données, c'est justement de créer des fameux junons. Donc je vais vous parler d'un projet phare pour la région qui s'appelle le jumeau numérique de l'Observatoire de Plaine, et la Plaine étant la Plaine de Beauce, qui est un des secteurs économiquement les plus importants de la région. Donc je vais vous présenter l'axe hydrogéologique en fait. Il y a d'autres axes que je vais vous montrer plus tard. Les partenaires du projet, c'est donc vraiment régional, donc il y a plusieurs villes. Il y a des organismes de recherche, donc des universitaires, Tours et Orléans principalement. On a des institutions régionales, dont Aquanova qui organise cette conférence. Et puis on a aussi des entreprises privées ou des industriels et des associations qui participent également à ce projet aujourd'hui. Les objectifs, c'est donc le développement d'un pôle de recherche numérique sur l'environnement continental, donc agricole, urbain, forestier, fluvial, de la région Centre-Val-de-Loire. Et ce pôle vise à concevoir des services numériques pour améliorer le suivi et la compréhension de l'environnement pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Donc on est bien dans le thème de cette conférence aujourd'hui. Après, donc, il y a beaucoup d'aspects sur ce projet-là. Il est composé d'une manière que présentée ici, c'est-à-dire qu'on a deux projets, donc le projet eau que je vous présente un peu plus aujourd'hui, et puis qui s'appelle Juno, voyons, pas preuve de beaucoup d'originalité pour trouver le nom, et puis il y a un projet sol et air, donc qui s'occupe d'autres autres thématiques avec d'autres pilotages. Et pour construire un jumeau, on a donc un projet lui-même qui se base sur, donc lui qui fait plutôt de l'informatique, qui s'occupe du jumeau numérique. Après, il y a un projet qui cherche à faire tous les modèles de prédiction et un autre projet qui est la data, c'est-à-dire qui va essayer de connecter les données entre elles pour les amener sur le jumeau numérique qui est finalement le cœur final du projet. Donc, plus spécifiquement sur le projet eau, donc la partie uniquement eau, donc on a identifié deux utilisations possibles, deux jumeaux possibles, un qui est qualité et un qui est quantité. Je vous présente aujourd'hui que la partie quantité qui est la plus aboutie pour le moment, avec certains partenaires, mais pas tous, pour ce projet eau. Donc l'idée, c'est de fournir des données en temps réel pour permettre la création du jumeau lui-même, avec un focus mis sur les deux niveaux, donc ce sont les nappes d'Étampes et de Pithiviers pour les régionaux, qui sont les deux aquifères les plus superficiels des nappes de Beauce. Pourquoi ces deux niveaux? C'est parce que c'est ceux qui sont impactés point de vue qualité, par le nitrate par exemple, et puis point de vue quantité, c'est ceux qui sont le plus utilisés, donc qui sont le plus sensibles aux sécheresses ou aux usages. Donc l'idée, c'est de gagner des connaissances hydrogéologiques pour permettre de créer des services pertinents pour la gestion et l'utilisation durable de la ressource en eau, et puis développer des services ou des outils en lien de l'identification des jumeaux, en lien avec les usages du jumeau. Donc vous avez en bas deux graphiques différents qui vous montrent la géographie de la zone qui est la Beauce en elle-même. Et puis à droite, vous avez les formations hydrogéologiques de ce même secteur. Donc ici, vous avez toute la structure du jumeau. Donc si on part du centre, parce que le centre, c'est ce qu'on va appeler le jumeau lui-même. Donc on peut l'appeler l'ossature ou le centre névralgique. C'est celui qui va, en fait, si on voulait créer un modèle, ça serait en fait le modèle numérique de la région. Donc vous voyez, on a repris le même secteur d'études que précédemment, sauf qu'on n'a pas considéré la partie sud de Loire. Donc dans ce jumeau qui est composé de la couche piezométrique, c'est-à-dire les niveaux d'eau des aquifères de Pithiviers et d'Étampes, donc on va lui faire rentrer des données en automatique. Donc ces données, c'est les niveaux d'eau, donc c'est la base de données ADES, c'est les pluies efficaces et l'ETP, c'est donc de la donnée en direct de Météo France. C'est des données de niveau de débit des rivières, donc ça c'est Hydroportail. Et donc toutes ces données sont des données qui sont déjà possibles de récupérer en temps réel et d'actualiser le jumeau régulièrement. Après, on a aussi des données qui sont plus statiques, c'est notamment tous les seuils de gestion. Quand on a dépassé un certain niveau, on a une alerte qui nous dit attention, vous avez des problèmes de gestion. Donc ça, c'est des données qui ne changent pas chaque année, qui sont régulières, donc c'est aussi des données qu'on rentre. Avec ça, en fait, on peut les mettre directement sur la carte piezométrique, mais dans ces cas-là, on aurait juste des niveaux qui montent et qui descendent, et ça serait d'un intérêt peut-être limité pour l'usager. Donc on va proposer aussi des calculs
qu'on va donner directement dans le jumeau. Donc on va faire, la première chose, c'est évidemment la prédiction, ce que les gens attendent, de la prédiction court terme, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, comment vont évoluer les niveaux des nappes et des rivières. On va aussi permettre d'actualiser toute cette structure, cette ossature qui est la carte piézométrique. On va l'actualiser dès que les données nouvelles vont arriver, c'est-à-dire tous les jours, puisqu'on a des données journalières. La carte va pouvoir être actualisée en automatique grâce aux jumeaux. Avec ça, on peut donc donner effectivement des tendances d'évolution. Est-ce que les niveaux sont tendance à baisser ou à monter en ce moment? Et puis, on va pouvoir aussi estimer une recharge. Est-ce que la recharge est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Donc, est-ce que dans plusieurs mois, est-ce que je pourrais cultiver des cultures, par exemple, qui sont très demandeuses en eau? Si ma recharge antérieure était très bonne, je pourrais me lancer dans des cultures qui nécessitent beaucoup d'eau. Donc ça, c'est des calculs qui vont ensuite retourner dans le jumeau. Et à la fin, l'idée, c'est de donner des services ou des usages. Donc aujourd'hui, on a identifié quelques usages, mais on peut en ajouter d'autres. On a encore des travaux à faire avec Aquanova pour développer ces usages. Donc dans les usages, on peut déjà, voir les niveaux et puis regarder sur le passé, est-ce que je suis plutôt comme d'habitude ou plutôt plus haut, plus bas, voilà. On peut estimer en global, est-ce que j'ai de la disponibilité pour cette année? Est-ce que je vais pouvoir typiquement cultiver du maïs? Mais ça, il faut donner l'information très tôt dans l'année, en octobre en ce moment même. Les agriculteurs ont besoin de cette information, alors que la recharge n'a pas commencé, on ne connaît pas les pluies d'hiver. Donc voilà, c'est une information qu'on va prétendre donner dans le jumeau. Les gens vont pouvoir voir en direct tous les secteurs en tension, c'est là qu'on va corréler avec des valeurs seuil, donc des niveaux de gestion administrative. Et puis enfin, ce qui est le plus attendu sans doute aujourd'hui, c'est tout ce qui est prévision, c'est le cœur d'un jumeau numérique, c'est de dire maintenant pour l'été, est-ce que je vais passer l'été confortablement ou pas du tout. Donc voilà la construction et la structure du fameux jumeau quantité. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Comment après, une fois que vous avez extrait des données, comment vous les utilisez, qui sont ceux qui vous les demandent, voilà, comment plus concrètement, à quoi elles servent? On ne doute pas de leur utilité, mais concrètement, quel est l'usage qui en est fait? Alors aujourd'hui, donc, le jumeau est en construction. Donc l'idée, c'est bien que l'usager arrive sur une plateforme qui soit son jumeau et que lui, il aille dans son secteur et dise « je suis à Orléans ». Quel est mon niveau d'eau? Comment va être l'été? Il va appuyer lui-même, il va demander le niveau d'eau dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il ne pourra pas faire beaucoup plus. Et voilà, donc il pourra gérer, il pourra regarder qu'est-ce que c'était dans le passé. Est-ce que j'ai déjà eu ces niveaux? Par exemple, en ce moment, on est plutôt dans un niveau haut. Il pourra se dire, est-ce que c'est exceptionnel ou pas? Donc, ça peut être du grand public et ça peut être des industriels ou ça peut être des agriculteurs, par exemple, qui ont besoin de cette information. Et l'ADREAL, tous les administrateurs qui ont besoin de gérer les épisodes de sécheresse ou de remontée de nappe. Est-ce que ça s'accompagne d'une formation? Parce qu'on parle toujours beaucoup de la donnée comme si c'était évident qu'on sait la manipuler et l'analyser et la prendre en considération. Ou alors c'est plutôt un outil qui est assez simple d'utilisation que tout le monde pourra prendre en main? Alors effectivement, l'idée c'est plutôt que ce soit un outil que tout le monde, qui soit très simple, puisque la donnée en fait elle rentre dans une machine qui va être complètement opaque pour l'utilisateur. Lui il n'a que le résultat final. Ouais, et c'est aux organismes qui travaillent dans ce projet d'aller récupérer la donnée et la mettre en forme au bon endroit et lui donner la bonne valeur, lui donner une valeur pour l'usager. Donc vous êtes dans une mission complètement grand public. Voilà, pour tout tous. À fait. Et juste dernière question, le calendrier, ça sera opérationnel quand? Est-ce qu'on sait? Alors, le projet Junon, si je ne m'abuse, il finit en 2026. Voilà. Et donc, ce jumeau qui est là, c'est le premier qui va sortir du projet Junon. Puisque au départ, j'ai indiqué qu'il y avait des jumeaux sur l'air aussi, notamment sur les pesticides, par exemple dans l'air, des choses comme ça. Mais le plus abouti aujourd'hui, c'est celui-là. Donc d'ici 6 mois, 1 an, enfin, là, on aura un démonstrateur. Et après, dans le grand public, je pense en fin de projet, on aura celui-là en tout cas. D'accord. Et le but pardon, du jumeau, c'est vraiment de se développer dans le futur. C'est de continuer à construire, d'apporter d'autres idées, d'apporter d'autres thématiques. Il sera enrichi régulièrement. Typiquement, on pourrait corréler directement des pluies, de la poussière, le faire rentrer dans le sol, le faire arriver dans la qualité. Donc le but, c'est vraiment qu'il se construise avec le temps aussi. En évolution permanente. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose que déjà à ce stade, sur cette partie un peu écosystème régional, avant qu'on rentre dans le détail des porteurs de solutions, qu'on prenne de vos questions s'il y en a, n'hésitez pas surtout, parce qu'après nos deux représentants nous quitterons sur scène et on fera passer les porteurs de solutions. Donc si vous avez des questions pour eux, c'est le moment. Oui, s'il vous plaît. Alors il y a un micro qui arrive vers vous. Monsieur Hérin, qu'on a entendu tout à l'heure sur la question, sur la thématique des eaux pluviales. Oui, forcément la recharge des nappes phréatiques est liée à la pluie.
et à la fonction de, selon laquelle la pluie arrive dans la nappe. Et donc, du coup, j'avais deux questions par rapport à l'établissement de ces jumeaux numériques. Comment vous abordez la problématique de l'évolution de la sécheresse des sols avec le changement climatique, d'une part, et d'autre part, l'évapotranspiration qui, si j'ai bien entendu vos propos, sont basés sur les données Météo France. Or, on sait que cette évapotranspiration va évoluer. Donc, comment vous intégrez ces deux variables dont on ne maîtrise pas forcément leur évolution? Les questions sont très pertinentes. Alors, en fait, on n'est pas du tout sur du changement climatique. Pour le moment, on est sur du jumeau de prévision à court terme, aujourd'hui. Par contre, donc, j'ai montré que dans le schéma, on calcule, nous, notre recharge avec les données qu'on a aujourd'hui. Donc, si demain, on a une autre information qui nous permet d'améliorer cette information sur la recharge du fait du changement climatique ou même global, des pratiques agricoles, par exemple, ou de l'imperméabilisation, eh bien, on pourra changer le module de calcul dans le système jumeau. Mais l'objectif n'est pas de donner... Alors, vraiment, on n'est pas... Enfin, il y a d'autres projets comme... AQFR, si je ne m'abuse, qui... Explore 2, qui ont comme objectif de donner de l'information à l'échéance changement climatique, changement global. Là, on est vraiment dans de l'usager direct, annuel, ou voilà. On est plutôt sur quel type de culture je fais l'année prochaine, ou quel... Enfin, voilà, c'est oui, vraiment d'une saison les prévisions, à une autre. Voilà, les ouais, prévisions. Ouais. On va essayer, ce qui est déjà compliqué, en octobre, de prévoir... l'été qui va venir suivant, alors qu'on n'a pas encore passé la période de recharge, alors que, comme vous avez dit, on dépend bien de la pluie, donc tant qu'on n'a pas la pluie, c'est un peu compliqué. Et une fois qu'on a la recharge, donc c'est vers avril, là, c'est de la modèle classique de prévision sur l'été. Donc on sait si on passera bien l'été ou pas. Mais on essaie d'anticiper encore plus pour pouvoir encore mieux aider les acteurs. Mais on ne peut pas faire plus pour le moment, avec nos connaissances. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui. Est-ce que dans vos démarches intellectuelles, si vous aviez les données en temps réel des pompages qui sont réalisés dans les nappes, quel service vous pourriez rendre à la nation? À tout. On pourrait tout faire. En fait, c'est notre vraie problématique aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on n'a pas pu mettre de prélèvement dans notre modèle. On va essayer l'année prochaine de faire des estimations. Mais notre vraie problématique, c'est toujours la même, c'est qu'on n'avait pas les prélèvements, même à la limite, même temps réel, ça serait un rêve, mais au moins un mois, deux mois, mais quelque chose qui soit mieux qu'aujourd'hui, où il faut attendre 2 ans pour avoir la donnée. Donc effectivement, c'est le point dur pour le moment de tous nos travaux, même de toute mobilisation BRGM, c'est ces prélèvements en direct. Question peut-être bête, mais pourquoi il faut attendre 2 ans pour les rentrer? C'est une question de secret, parce que c'est des déclarations pour les taxes, pour les paiements. Donc, en fait, pour le moment, la base de données des prélèvements en France est basée sur de la déclaration pour payer des taxes, en fait. Et du coup, il y a le secret qui fait qu'on ne peut pas diffuser cette information, même si elle est complètement anonymisée. Donc, actuellement, c'est 2 ans, si je ne m'abuse, de délai. D'accord. Et après, elle est globalisée, ce qui aussi est un problème, parce que c'est trop global. Nous, on a besoin du mensuel ou même de l'hebdomadaire. Si on avait ça, on pourrait mieux caler nos modèles, en fait. Donc, il y a encore quelques évolutions. Donc, on a des progrès énormément là-dessus. Voilà. Et des verrous qu'on aimerait faire sauter pour pouvoir avoir un outil encore plus performant. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vous vouliez compléter? Ouais, cela fait quand même 20 ou 30 ans que l'on a envie d'avoir des données en temps réel sur les prélèvements. Et qu'on a aussi envie d'avoir des données en temps réel sur les stockages. Si on connaissait la vie des nappes avec précision, il suffirait de multiplier les points de mesure, et je pense que ça ne coûte pas une fortune. On aurait une vraie valeur sur la ressource, et on aurait une vraie valeur sur le pompage. Et je pense que là, la modélisation servirait à autre chose. Mais globalement, pourquoi la réglementation française n'a pas prévu depuis 30 ans que certains interlocuteurs ne fournissent pas les données qu'ils possèdent, alors qu'ils se font financer des équipements par des agences de l'eau, par exemple? Alors, est-ce que l'un de vous souhaite répondre? Une hypothèse, parce que mais vous ne savez évidemment non. pas pourquoi la réglementation. En fait, c'est vrai que nous, typiquement, on aimerait pouvoir inciter notamment tout ce qui est syndicat d'eau. C'est des gens aussi qui utilisent de l'eau, et ces données ne sont... En fait, c'est aux collectivités, de mon point de vue, c'est aux collectivités d'arriver à récupérer cette information et de pouvoir la mettre à disposition. Il y a beaucoup d'informations qui existent, même... la surveillance des niveaux d'eau, je sais qu'elle n'est pas forcément... Après, c'est compliqué aussi de la collecter, de la mettre ensemble. Parce que chacun... Donc, on a des référentiels en France, on est quand même bien équipés. Mais malgré tout, une donnée brute,
on ne saurait pas c'est quel aquifère, c'est quel mois, c'est quel point d'eau. Ça serait très compliqué aussi. Aujourd'hui, on a ces difficultés-là parce qu'on arrive quand même à collecter la donnée. Mais la mettre, lui donner une vraie valeur parce qu'on sait c'est quel aquifère qui est touché, c'est quel mois qui est utilisé. On n'a pas de doublonnage de personnes qui déclarent. Il y a aussi derrière l'automatisme du relevé de compteur, par exemple, ne suffit pas, à notre avis, pour créer une base de données efficace qui pourrait répondre à tous nos besoins actuels, je pense. Donc c'est quand même du travail, c'est pas non plus très simple, même si le compteur de volume, ça c'est la partie simple en fait, mais après il reste un travail typiquement des DREAL, qui va contrôler les données, qui va les vérifier, qui va les compiler, des DDT, des DREAL, c'est encore des questions qui se posent au niveau national ça, et c'est encore du travail. Je vais juste me permettre de compléter avec une approche un peu différente qui est l'approche juridique. Typiquement, le climate data, Laurence a employé le bon mot, c'est l'incitation. C'est comment on essaye de travailler à faire en sorte que certains acteurs acceptent de partager des données qui nativement ne partagent pas. Donc il y a une initiative politique, il y a une initiative de conviction pour créer des conditions de confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi une réponse juridique qui est en train de se construire. Alors malheureusement pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne. Vous avez deux règlements qui viennent d'être adoptés au niveau européen, qui sont le Data Act et le Data Governance Act. Et sur ce deuxième sujet, le Data Governance Act, vous avez une notion intéressante qui vient d'être introduite, qui s'appelle l'altruisme de la donnée. Et l'altruisme de la donnée, c'est un début de réponse à la question que vous posez, c'est comment effectivement on fait en sorte que des gens qui n'ont pas vocation, qui n'ont pas envie de partager leurs données, soient incités à le faire, et comment ils arrivent malgré tout à le faire, et surtout comment ils arrivent à être rétribués en le faisant. Et l'altruisme de la donnée, c'est comment on fait effectivement partager des données, alors des fois des données personnelles, des données relevant du secret des affaires, dans un but d'intérêt général, et donc justement typiquement pour mieux connaître l'état des nappes en temps réel. Donc c'est un changement de philosophie qui s'installe Tout à fait. C'est un changement de philosophie et ça vient de l'Europe. C'est d'autant plus intéressant que ça vient de l'Europe et que ça intervient dans un ensemble de directives européennes dont vous avez peut-être tous entendu parler. Le Data Governance Act, bien sûr, le Digital Market Act et ainsi de suite. L'IA Act qui est en train d'être déployé également. Et l'ensemble de ces règlements, de ces directives européennes visent à créer un marché de la confiance sur le numérique, un marché qui va permettre de fluidifier les échanges de données au niveau européen. C'est une des réponses que l'Europe se propose de faire, notamment pour contrer les modèles moins vertueux que sont les modèles américains ou les modèles chinois. Merci beaucoup à tous les deux. Je réduis cette séance de questions pour la bonne poursuite des échanges, mais je ne doute pas que vous saurez poursuivre sur le salon. Merci d'avoir été avec nous. Je vous libère et je vais maintenant inviter sur scène les porteurs de solutions entrepreneurs qui incarnent quelque part la dynamique régionale. Donc avec nous, nous allons avoir Jérémy Fin, directeur général de BWI, Pierre Clément, directeur technico-commercial chez Nogema Ingénierie, Alexandre Seller, responsable travaux chez Damétis, et Paul Pelletier, ingénieur chez Elodis, Alexandre Peltinjas, chef de projet et fondateur chez Satis Ingénierie, Antoine Bergen, président de Yacadev, et enfin Pierre Leffondré, je ne sais plus si je vous ai demandé la bonne prononciation, du service eau, environnement et numérique du pôle Aquanova. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est évidemment le pôle Aquanova qui a permis de mettre sur pied, de piloter cette conférence, et on les remercie pour l'organisation de tout ça. Jérémy Fin, vous allez commencer le bon rythme de présentation, 10 minutes par entreprise. Blue Water Intelligence, donc BWI, vous proposez de l'intelligence artificielle pour prédire les hauteurs et les débits d'eau, notamment très utile dans la surveillance et la prévision d'inondations. Présentez-nous un petit peu plus précisément votre entreprise. Absolument, je vous remercie et je remercie les pôles Aquanova et Aquavalley pour leur invitation. Donc chez BWI, donc, qui est l'acronyme de Blue Water Intelligence, nous fournissons effectivement des prévisions hydrologiques. Nous avons commencé par la thématique des débits parce que nous sommes nés en 2022, qui était une année de sécheresse en France, d'ailleurs qui s'est poursuivie en 2023 avec les sécheresses hivernales. Et le sujet, la donnée, c'est un formidable sujet de discussion et ça alimente de nombreux débats sociétaux en ce moment avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Mais nous, on s'est d'abord intéressé aux usages et on a constaté qu'il y avait de nombreux points de mesure publics ou privés, en open data ou pas, partout sur le territoire et pas seulement en France, partout dans le monde. Mais il n'y avait pas de prévision. Comme on peut avoir, par exemple, de la prévision dans le monde de la météorologie.
Et donc, en écoutant les besoins de nos futurs clients, eh bien, on a construit un service qui est un service en ligne qui fournit de la donnée, qui est exclusivement prévisionnel, donc avec évidemment des fonctionnalités de type alerte précoce ou reconstitution d'historique sur des cours d'eau non instrumentés à l'échelle d'un bassin versant. À partir, en fait, on a 20 ou 30 ans d'historique météorologique et on rejoue les débits de manière à pouvoir fournir ce qu'on appelle des courbes de débit classées, donc des débits classés sur le plan statistique. Et donc, c'est la slide qui s'affiche. Comment on fait ça? Parce que c'est votre question. Oui. On a deux patates de données sources essentielles. Une première patate, vous l'avez compris, ce sont les données de précipitation. On va simuler physiquement la propagation sur la topographie ce qu'on appelle le ruissellement de chaque goutte d'eau, et on va essayer d'imaginer quel pourcentage de cette goutte d'eau se retrouve dans la rivière et viendra alimenter le débit ou pas. Et sinon, ce qui peut arriver à une goutte d'eau à part ça, c'est qu'elle se retrouve absorbée, stockée sur un champ, par exemple. Donc ça, c'est la première patate. On a une seconde patate qui est une patate d'imagerie spatiale. On regarde les lignes de contour des rivières pour recaler l'hydrogéomorphologie des cours d'eau, donc qui chasse avec, par exemple, des inondations telles qu'on en rencontre en ce moment. On regarde l'occupation des sols, on regarde l'humidité des sols. Et on se valide avec des données de nos clients ou d'hydroportail, donc on a cité tout à l'heure, de manière à ce que nos algorithmes apprennent et améliorent leur performance. Voilà ce que l'on fait. Et vous les tirez d'où, ces données précipitations et données spatiales? Alors, les données de précipitation, on redonne un maximum les sources de données parce que si on n'a pas de données de prévision météo, on ne sait pas faire de la prévision hydro. La météo, c'est ce qui tombe et l'hydro, c'est ce qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et donc, on a 5 sources de données, je pourrais toutes les citer, mais qui sont gratuites ou payantes en fonction des zones géographiques que l'on couvre. Ah oui, parce que nos clients ne sont pas seulement en France. On a démarré, par exemple, en Inde. On travaille, on a 3 personnes à Dhaka, Bangladesh, pour couvrir l'Asie du Sud. On a des projets en Afrique et donc on a besoin de sources de données mondiales. Et il y avait une seconde question dans ce que vous m'avez. Pour les images satellites, on s'appuie essentiellement sur la constellation Copernicus, donc des images fournies par la Commission européenne. Donc quelque part, on bénéficie des milliards d'euros investis par les agences spatiales et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dans le fait de disposer d'images satellites en open data. Ok. Et après, une fois qu'on a tout ça, vous l'avez dit, ce que vous pouviez prédire, mais quel est vraiment le bénéfice dans le secteur de l'eau? C'est au service de qui et de quoi tout ça? Alors, il y a différentes échelles. Il y a une échelle qui est celle du bassin où l'autorité de bassin a besoin de pouvoir réunir les parties prenantes et donc d'anticiper des sécheresses, par exemple. Et donc, en cas de prévision de cours d'eau qui serait moins dynamique, il s'agit de réunir les agriculteurs, l'industrie, les villes et les représentants des associations pour la préservation de la nature, de manière à se partager l'eau, littéralement. Et donc, il y a un débit biologique à respecter, un débit réservé ensuite au bon fonctionnement du cours d'eau, et puis les différents besoins. Et donc, ça, c'est un premier usage. Il y a un usage d'assurance où il s'agit de faire de la prévention des adhérents des compagnies d'assurance, et donc les assureurs ont besoin de données de prévision des cours d'eau pour prévenir leurs clients: attention, vous êtes le long d'un cours d'eau qui est exposé à des crues rapides, donc prenez vos précautions parce qu'un événement va arriver, par exemple. Il y a les chambres d'agriculture qui ont besoin de prévenir leurs adhérents, au niveau coopératif, du fait qu'il faille, par exemple, recharger les citernes ou les bassins de rétention pour l'irrigation, parce qu'on va arriver sur une période qui mêle besoin en irrigation et peu d'eau. J'en cite un dernier, les producteurs d'hydroélectricité, dont quelque part la production est directement corrélée au débit, parce qu'en fait la production hydroélectrique, c'est le débit, c'est une fonction linéaire du débit, fois la hauteur de chute, fois la constante de masse. Et donc eux, pour savoir combien ils vont produire dans quelques jours, ont besoin d'une prévision de débit, et ça leur permet d'optimiser leur commercialisation d'hydroélectricité auprès de leurs clients ou sur les marchés d'électricité. Merci beaucoup. Dernière question, peut-être un petit peu bête, mais quand il existe tant de données publiques, comme on a pu le voir au cours de ces 2 jours, pourquoi on fait appel à une entreprise comme la vôtre? Qu'est-ce que ça apporte de plus?
Alors, on ne va pas recréer de la donnée quand oui. elle existe déjà. On fournit une prévision et quand on s'est créé, on a constaté que ça n'existait pas, tout simplement. D'accord, ça n'existe pas. Donc, il existe de la donnée, mais pas de la prévision avec cette donnée, comme vous proposez. Pas à l'échelle industrielle. On a vu des exemples de projets très intéressants, d'ailleurs, à l'échelle locale. On a une façon de travailler qui est absolument globalisable et qui n'est pas adapté uniquement à un sous-bassin, mais qui fonctionne partout. Alors évidemment, avec les limites physiques hein, que l'on connaît, on ne peut pas, nous, par exemple, faire de la prévision à 3 mois, alors que la prévision météo est déjà assez aléatoire à 10 jours. Donc forcément, on travaille sur le court terme et sur l'opérationnel. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de prévision disponible partout et tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé BWI. Mmh. Et vous êtes de la région, dernier point aussi. La société est toulousaine. La société est toulousaine, d'accord, mais on travaille. On a des clients dans la région. On travaille avec des laboratoires de recherche qui sont dans la région. On a la chance d'avoir eu le BRGM qui nous expose des données de taux de remplissage des nappes, donc qui viennent alimenter nos balais. Enfin, elles sont pas dans la planche parce qu'on est en train de les intégrer. Mais donc ça viendra renforcer la qualité de ce que l'on fait. On est très heureux qu'il y ait des acteurs institutionnels qui aident les startups innovantes à faire encore et toujours mieux. Merci beaucoup, Jérémy Fin, pour l'exercice de concision. On sait que ce n'est pas évident, mais le but, c'est que ça vous donne des idées, que vous ayez envie d'aller les rencontrer, d'aller en savoir plus et en une image de comprendre ce qu'ils nous proposent. Merci beaucoup. On va passer à vous, Alexandre Peltinjas, pour Satis Ingénierie. C'est un bureau d'études qui est basé à Bordeaux et qui est spécialisé dans la modélisation hydraulique complexe. Alors vous allez nous expliquer le complexe. Il y a un micro pour tout le monde, je crois. Oui. Les questions de microclimat urbain et de mécanique des fluides appliqués. Exactement. Expliquez-nous ça. Eh ben, merci pour cette prise de parole. Donc oui, c'est ça, Satis Ingénierie, c'est un bureau d'études basé à Bordeaux qui est tout récent, qui existe depuis un an environ. J'ai monté ce bureau d'études en partenariat avec un autre bureau d'études bien implanté, lui, en Amérique du Nord, à Montréal, au Québec, qui s'appelle La Salle NHC. Donc on propose le même type de service en France et à Montréal, en Amérique du Nord et ici en France, où l'idée c'est de développer un peu l'expertise. Et donc notre expertise couvre effectivement tout ce qui est modélisation numérique, donc 1D, 2D, 3D. La modélisation 1D, c'est plus tout ce qui touche les réseaux, donc réseau d'eau potable, réseau d'eau pluviale. Modélisation 2D, on va être sur de la modélisation de rivières, transport sédimentaire, tout ce qui est génie côtier aussi. Modélisation de vagues, etc., d'ouvrages de protection. Et notre cœur de niche, je dirais notre expertise la plus forte, c'est peut-être la modélisation 3D-CFD avec des outils dits open source. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il existe des outils commerciaux qui coûtent très cher. Et donc, nous, on est capable d'apporter le même service avec des outils libres qui sont habituellement plutôt destinés aux universitaires, mais qui aujourd'hui sont largement utilisés par d'autres bureaux d'études, mais ça reste quand même un marché de niche, et donc ça nécessite une certaine expertise et une certaine pratique pour pouvoir les utiliser et les exploiter. Et donc le lien avec la donnée dans tout ça, évidemment, c'est que nous, pourquoi on fait appel à nos services ? Très souvent, c'est parce qu'on va avoir un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage, qui va avoir une problématique technique. Et donc, qui se pose une question, ok, je constate un problème actuellement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais comprendre la physique à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, si je prends l'exemple typiquement d'une station d'épuration qui, en tête de station, va avoir des dégrilleurs là, pour enlever les plus gros morceaux en tête de station. Ils vont se poser la question, aujourd'hui, j'ai des grilles de 25 mm, par exemple, et je souhaite utiliser des grilles de 12 mm, quel va être l'impact sur l'équilibre de la répartition de mes débits dans mon ouvrage ? Ça, ce n'est pas des questions qui sont forcément faciles à répondre. Donc, là où l'ingénieur va avoir des difficultés à estimer ses valeurs, il va faire appel à un bureau d'études pour modéliser, par exemple, en 3 dimensions, tous ces phénomènes physiques et donc apporter de l'aide à la décision. Ok, est-ce que cette solution est viable ou pas ? Et donc, en entrant de ces modèles, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de données, évidemment, qui sont fournies par les maîtres d'ouvrage. Donc ça va être des plans, typiquement.
pour être capable de recréer une géométrie 3D. Ça va être ou des profils de conduite pour connaître les élévations des conduites, les diamètres de conduite, etc. Donc la donnée là est utilisée comme intrant pour générer, je dirais, la géométrie du modèle. Ensuite, évidemment, on a besoin de données pour, je dirais, feeder, pour alimenter ces modèles. Quelles vont être les conditions limites de ces modèles? Et c'est là où peuvent intervenir des acteurs comme BWI, par exemple, où on va venir chercher de la donnée qui existe déjà, l'analyser au cours du temps, pour avoir un petit peu des tendances. Ok, dans mon ouvrage, en moyenne, il passe tant de débit avec telle vitesse, telle hauteur d'eau. Et ça, ça nous permet ensuite d'alimenter nos modèles numériques avec ces conditions entrantes, de simuler l'ouvrage tel qu'il se comporte actuellement et éventuellement de le comparer avec une situation actuelle existante. Et une fois que ce modèle est numérique local et calibré, l'intérêt, c'est de pouvoir l'exploiter ensuite pour des conditions futures projetées. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ben, mon débit qui passe dans ma station de pompage ou ma station de traitement des eaux usées est multiplié par un coefficient 1,2 parce que changement climatique, parce que j'ai une population qui augmente localement, donc j'ai besoin d'un débit plus important. Ça peut être utile aussi pour faire des modifications géométriques dans l'ouvrage. Qu'est-ce qui se passe si j'oriente ce canal un petit peu plus dans cette direction, un petit peu plus dans cette direction, pour faire de l'optimisation? Donc une fois qu'on a notre modèle numérique calibré, validé avec des conditions existantes, on peut l'exploiter pour projeter des conditions futures. Et le dernier point, je dirais, en lien avec la donnée, ce serait peut-être l'outil de communication. Parce que quand vous avez un visuel comme ça qui parle, ça permet ensuite aux décideurs de prendre des décisions plus éclairées, parce que c'est plus facile de faire passer un message, de faire comprendre les choses au-delà des équations qui peuvent être très compliquées. Voilà, vous avez une visualisation qui vous permet de vous rendre compte quel va être l'impact de mes modifications dans mon ouvrage. Et c'est là tout l'intérêt de la donnée, parce qu'elle permet de visualiser un petit peu ce que nos modifications vont apporter. Donc, gros intérêt pour les décideurs, c'est qui ces décideurs à qui vous vous adressez avec votre solution? Eh bien, ça peut être n'importe qui en aurait besoin. Oui, c'est-à-dire, par exemple, des exemples. Un maître d'ouvrage, là, un propriétaire de station d'épuration, entre guillemets, là, ou une usine, une station de pompage, tous ceux qui possèdent, tous les maîtres d'ouvrage, en quelque sorte, qui possèdent les infrastructures. Mmh. Ou des bureaux d'études, où nous aussi, on peut faire affaire tout simplement avec des bureaux d'études qui n'auraient pas l'expertise ou les logiciels ou le temps pour le faire à l'interne. D'accord. Et sur ce salon Cyclo, bien évidemment, on se soucie de la portée de ces solutions-là et du bénéfice dans le secteur de l'eau. Vous avez cité des exemples là dans le secteur de l'eau, mais voilà, quel bénéfice pour ce secteur, les solutions que vous proposez? C'est sûr que ces outils de modélisation qui existent depuis très longtemps, là, si je me concentre par exemple sur la modélisation 3D, c'est des outils qui existent depuis longtemps, mais plus dans le milieu aérospatial, aéronautique. C'est plus récent, ce développement de ces outils dans le milieu de l'eau, parce qu'initialement, on n'en avait pas nécessairement besoin, mais on s'est rendu compte que ces outils pouvaient apporter des solutions intéressantes. Typiquement, une station de pompage, les phénomènes d'entraînement d'air dans les stations de pompage, c'est des choses qu'on peut simuler ou appréhender, je dirais, avec ce type de modèle. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. On n'est pas les seuls sur le marché à proposer ce type de solution, mais on n'est pas beaucoup à le faire. Voilà. Et concrètement, le bénéfice, par exemple, pour cette station de pompage que vous évoquiez, c'est quoi? C'est de remplacer du matériel plus facilement, d'intervenir sur des problématiques, de cibler mieux? Oui, s'il y a une problématique existante qui a déjà été pointée par un maître d'ouvrage, ça va être de le modéliser pour essayer de comprendre. Ok, la problématique que vous aviez en tête, on le modélise et effectivement, on pense que vous avez raison. Deuxième piste de solution, vous êtes un maître d'ouvrage, vous décidez d'augmenter la capacité de votre ouvrage. Là, vous faites affaire avec un bureau d'études compétent dans la conception de ces ouvrages ou un fournisseur de pompes, par exemple. Lui va vous dire, d'accord, mais mon équipement, il n'est valide que pour tel ou tel critère d'utilisation. Là, vous sortez un petit peu du cadre du critère habituel. J'aimerais que vous me prouviez que ça puisse fonctionner. Avec ce type de modèle, vous pouvez commencer à prouver que ça peut fonctionner et donc à rassurer
le maître d'ouvrage. Et ça va avoir des effets opérationnels très, très rapides. Merci Exactement. Beaucoup, Alexandre Peltingas, pour Satis Ingénierie. Et la parole est à Pierre Clément, de chez Nogema Ingénierie, qui propose des solutions innovantes et complètes de radio-relève et télé-relève, avec des options intelligentes que vous allez nous présenter. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Donc, Pierre Clément, société Nogema Ingénierie. Donc, de notre côté, on est spécialisé dans les solutions de relève de compteur. Donc, relève manuelle, radio-relève, télé-relève. Donc, ici, sur l'écran, vous voyez un petit schéma qui montre où on se positionne dans un écosystème global d'exploitation d'un réseau d'eau. Donc, la partie qui nous concerne va être la partie qui est un petit peu plus prononcée en bleu. Donc, vous pouvez constater qu'à gauche, on va avoir des compteurs qui sont installés sur le terrain, qui peuvent être de différents fabricants, parce qu'on est indépendant, donc compatible avec tous les fabricants du marché. Et de l'autre côté, vous pouvez voir qu'on a un logiciel de facturation ou un système d'information client. Donc on vient se positionner entre ces deux éléments, avec des solutions qui permettent, donc notamment depuis un logiciel hébergé, de collecter des données de télérelève, de différents types de réseaux. Ça peut être un réseau privé, un réseau public, avec différents types de protocoles de communication. Ça peut être du LoRa, du Sigfox, NB-IoT. Donc tout ça pour la télérelève. Donc la télérelève, pour le rappel, c'est la récupération d'une donnée quotidienne, d'un index de compteur et éventuellement des données horaires au niveau de ce qu'on va recevoir dans notre système. On peut activer aussi des solutions de radio-relève passive automatique qu'on peut voir sur la partie inférieure du graphique. Donc si on veut faire par exemple, nos clients s'ils veulent faire par exemple de la radio-relève passive en véhicule, donc on peut fournir des boîtiers qui vont être intégrés dans des camions à ordures ménagères et qui vont automatiquement relever les compteurs, ce qui est une bonne alternative à la télé-relève. Et on peut aussi fournir une solution qu'on développe en interne au niveau logiciel qui s'appelle Smart Relève et qui permet donc d'effectuer la relève sur le terrain. Donc ça peut être de la relève manuelle, de la radio-relève. Donc la radio-relève, on va aller chercher les données sur le terrain. Et cette application permet aussi de gérer les interventions parce qu'un parc, ça s'entretient. Donc on va pouvoir faire des interventions de pose de compteur, dépose de compteur, pose de module radio, dépose de module radio, etc. Tout ça pour entretenir le parc et assurer une bonne radio-relève et où les relèves, l'un ou l'autre ou les deux sont possibles dans tous les cas de figure. Et on a aussi la possibilité en finalité, bon, bien sûr après avoir injecté les données en facturation, on peut aussi mettre à disposition des usagers un portail qui leur permet d'accéder à leur consommation quotidienne et éventuellement de générer des alertes si on détecte des consommations anormales. Et quelle est la place de la donnée ? Enfin, on imagine qu'on voit bien qu'elle arrive, logiquement, c'est la base même de la télé-relève et de la radio-relève, la donnée, mais comment vous l'utilisez dans vos solutions ? Alors, au niveau de l'utilisation qui en est faite, donc, il y en a plusieurs, on va dire deux principales. La première, c'est la facturation. Donc, ça va injecter les données dans un logiciel de facturation. Et au niveau du traitement de la donnée, on peut analyser des anomalies ou des écarts au niveau des consommations. Donc, on peut analyser des débits de nuit, par exemple, pour détecter des consommations anormales. On peut analyser aussi... Ça veut dire une fuite, tout simplement ? Par exemple, une fuite, tout à fait, effectivement. Ça peut être une fuite. C'est détecté directement par les modules communicants. On peut mettre en place aussi des services qui vont permettre d'analyser des débits de nuit aussi. Donc ça, c'est un petit peu différent du module communicant qui va lui détecter la donnée directement sur le compteur. Le service, lui, il va analyser les données horaires, par exemple, quand on a donc de la télé-relève. Ok. Et on l'a dit tout à l'heure, salon cyclo, au service de l'eau, bon, ben là, on le voit que voilà, détecter une fuite, c'est toujours utile, mais voilà, quel bénéfice pour le secteur de l'eau vos solutions apportent ? Le bénéfice, ça va être de détecter effectivement ces fuites et à l'exploitant d'intervenir rapidement pour corriger cette situation et au final faire des économies d'eau. Parce qu'une fuite, ça peut être minime, mais ça peut être très important. Ça peut avoir un impact très important sur le rendement global au niveau de son parc. Et l'avantage d'avoir un système qui permet de détecter les fuites le plus rapidement possible, permet d'intervenir le plus rapidement possible et donc d'agir le plus rapidement possible. Et côté logiciel de gestion, là aussi, c'est une question de lisibilité peut-être pour ceux qui travaillent avec vos outils, d'avoir une bonne visibilité de toute cette radio-relève.
tout à fait. Les alertes sont remontées automatiquement au niveau du système et ils peuvent consulter tous les jours leurs alertes qui sont arrivées dans la journée ou la nuit pour pouvoir mettre en place des actions. D'accord, merci beaucoup. Encore plus synthétique, on vous avait demandé d'être tous très efficaces et vous vous êtes préparés. Merci beaucoup, Pierre Clément. On poursuit avec vous, Alexandre Seller et Paul Pelletier. Dans l'ordre, d'Amétis propose notamment un logiciel pour consommer moins d'énergie et moins d'eau et donc améliorer les performances environnementales. Et Elodis, nous sommes du côté de l'optimisation des processus de nettoyage industriel. Alors, vous intervenez conjointement, mais chacun va nous présenter sa solution. Ouais, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, alors d'Amétis, nous sommes une société basée à Angers, d'à peu près une cinquantaine de personnes, et on accompagne nos clients industriels. Donc nous, on intervient vraiment que dans l'industrie, tout type d'industrie, mais que de l'industrie, quasiment à 100% industrie. On accompagne nos clients donc industriels dans leur transition environnementale globale. Donc on a une solution logicielle qui permet de manager toutes les données d'une usine, d'un site de production quelconque. Donc on intègre évidemment l'eau, l'énergie, et d'éventuelles données de production, et un peu toutes les données qu'un industriel peut avoir et qu'il souhaiterait expertiser, en fait. Parce que l'objectif de notre soft, c'est pas tant de mettre de rendre cette donnée lisible, c'est surtout de la faire parler pour aller identifier des leviers d'optimisation. Donc quand on parle d'eau ou d'énergie, en fait, on dissocie très peu les deux, hein, nous, parce que faire des économies d'eau, c'est avant tout faire des économies d'énergie. L'eau étant dans le milieu industriel, c'est un vecteur énergétique. C'est utilisé pour des besoins de refroidissement, des besoins de chauffage, des besoins de cuisson. In fine, c'est traité. Donc, en fait, le coût de l'eau en industrie, il est bien au-delà du coût de l'eau intrinsèque. Il est plutôt le coût de toutes les externalités qu'il y a autour et du coût de main-d'œuvre, évidemment. Donc, l'enjeu pour l'industriel, pour nos clients, c'est d'aller faire des économies sur la ressource. Donc, en fait, nous, on les accompagne vraiment sur cette idée-là de produire la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui, mais en mobilisant moins de ressources, qu'elles soient énergétiques ou hydriques. Donc on va concentrer toute cette donnée à travers un seul et même outil qui se veut plutôt intuitif et facile à utiliser, mais avec une puissance de calcul assez importante qui permet à l'utilisateur d'aller faire de la modélisation, de créer des jumeaux numériques, en quelque sorte de modéliser son usage. Donc il va pouvoir modéliser différentes briques technologiques dans son usine. Il peut modéliser globalement toute son usine, mais il peut décomposer son usine avec des sous-ensembles et identifier l'usine idéale, positionner son fonctionnement actuel, et puis mesurer le gap entre les deux. Et nous, on l'accompagne dans cette expertise pour combler ce gap. Donc, tendre vers l'usine idéale. Alors, c'est un idéal, bien évidemment. On est tous d'accord qu'on n'atteindra pas le système parfait. Mais on compose avec le réel. Et l'idée, c'est vraiment de lui donner les clés et de lui donner un premier niveau d'expertise grâce au logiciel. En fait, on a beaucoup d'experts métiers chez nous. On a des experts du chaud, du froid, de la production d'air comprimé, etc., de toutes les utilités, des usages de l'eau, bien sûr. Et on intègre dans le logiciel cette expertise à travers des ratios, des éléments techniques et chiffrés qui permettent à l'utilisateur d'avoir vu sur ses indicateurs assez facilement et de voir s'il est en dérive par rapport à des indicateurs idéaux. Et donc de détecter les leviers. Et après, on l'accompagne encore également à travers une unité, un département travaux sur la réalisation, la mise en musique en fait, des projets identifiés. Quoi. Donc c'est lui plutôt qui rentre la donnée. Alors la donnée, elle peut être remontée soit automatiquement par le biais d'instrumentation, soit manuellement. Effectivement, le logiciel, il est nativement prévu pour intégrer tout type de données. Donc on peut rentrer. Alors je suis accompagné aujourd'hui d'Elodis, qui est une société partenaire, parce que dans les usages de l'eau en industrie, on a notamment un usage qui est très marquant, qui est le nettoyage en place. Et là, on a de la donnée qui est effectivement remontée par des capteurs qu'Elodis a développé. Paul va vous développer, va développer ça. Mais voilà, là, c'est de la donnée. Nous, on n'est pas fermé, en fait. On peut rentrer tout type de données. D'accord. Ça va du relevé manuel au capteur automatique et toutes les grandeurs physiques. OK. Avant de venir à Elodis, si je comprends bien, en fait, votre expertise, elle porte plutôt sur l'analyse de tout ça et l'accompagnement humain. En fait, on est presque plus dans l'humain que... Alors, il y a un accompagnement par le logiciel. Il y a un premier niveau d'expertise qui est délivré par le logiciel. Et puis, bien évidemment, après, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, si on veut continuer de creuser, il y a une expertise d'ingénieurs. On a effectivement plein d'ingénieurs chez nous. On est la population d'Amétis, je pense, aux trois quarts composés d'ingénieurs. Et en fait, on délivre cette expertise en complément s'il y a besoin. Là, c'est un petit peu l'industriel qui positionne le curseur là où il souhaite être accompagné. Nous, on délivre un outil qui lui permet d'avoir une certaine autonomie. Et s'il veut aller un peu plus loin, effectivement, après, il y a encore une expertise humaine qui peut venir en surcouche pour aller creuser encore et optimiser encore. Au cas par cas.
Et donc, Élodie, vous travaillez avec Damétis, c'est ça? Oui, absolument. Expliquez-nous ça. On l'a dit, Élodie, optimisation des processus de nettoyage industriel. Donc, on imagine bien que vous êtes servi de l'outil de Damétis, c'est ça? Complètement. Racontez-nous ça. Donc, tout d'abord, merci de l'invitation. Donc, Paul Pelletier, ingénieur chef de projet chez Élodie International. Donc, on est un bureau d'études techniques spécialisé dans le domaine des lavages industriels, donc précisément sur les nettoyages en place. Donc, on est basé sur Angers. On travaille donc en collaboration, en partenariat avec la société Damétis, justement sur cet onglet cycle de l'eau, utilisation de l'eau chez les industriels, majoritairement chez les industriels de l'agroalimentaire, du pharmaceutique et du cosmétique. Et donc justement, on va venir accompagner les industriels et les aider à réduire leur consommation d'eau, à venir identifier les postes clés de potentiel de réduction, et donc notamment sur l'aspect lavage qui peut représenter jusqu'à 50% de consommation sur un site industriel. Et alors vous, quelle est la place précisément chez Élodie de la donnée? Alors nous, justement, donc dans la donnée, donc toujours en partenariat avec Damétis, on vient mettre en place donc de l'instrumentation sur donc les tuyauteries, sur les lignes de ces stations de lavage, pour permettre de mieux analyser, de mieux déterminer les temps de lavage nécessaires et optimum pour les différents équipements qui sont nettoyés sur site. Donc ça permet, par cette analyse, donc de réduire les consommations d'eau, de produits chimiques, mais aussi d'énergie et de temps passé, ce qui peut permettre à un industriel d'économiser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres cubes d'eau par an. L'outil calcule le temps de lavage, mais fait aussi l'analyse de ce calcul-là en disant cette étape-là aurait pu être réduite, c'est ça? Tout à fait, absolument, oui. D'accord. Et ce temps gagné, c'est du temps supplémentaire pour la production. Exactement. Donc c'est un double gain pour l'industriel. Oui. Donc il y a des avantages, évidemment, en termes, on l'a dit, de consommation d'eau et d'énergie, mais d'autres, vous l'avez dit, externalités. Ok. Dans le secteur de l'eau, vous l'avez un peu cité. Quel gros bénéfice vous apportez avec vos deux solutions pour ceux qui se passionnent pour le sujet de l'eau ici? La réduction de l'empreinte globale, c'est le bénéfice, c'est celui-ci. Hein. L'idée, c'est encore une fois de faire autant avec moins. Donc, c'est d'accompagner sur la réduction du recours aux ressources. Donc, c'est du gain matière première. Quand on parle d'eau, c'est du gain en termes de ressources. Mais vous l'avez compris, c'est du gain en temps homme, c'est du gain en coût global. Et puis c'est aussi un gain en termes de décarbo aujourd'hui, hein, qui est aussi forcément, c'est dans le viseur un peu de toutes les industries aujourd'hui, il va falloir tendre vers cette neutralité pour 2050, ça va venir très vite. Et donc tous ces gains-là viennent incrémenter le compteur de la décarbo aussi. Quoi. Voilà. Mmh. Et à l'aspect énergie, avec aussi les crises énergétiques qu'on a vécues. Oui, complètement. Ouais. D'accord. Paul Pelletier, un mot là-dessus sur le gain pour le secteur de l'eau? Eh ben, on est absolument sur ce thème-là. C'est-à-dire que donc, avec nos capteurs, avec notre partenariat, justement, on vient vraiment permettre aux industriels de jouer sur ce facteur clé pour les enjeux actuels. On voit notamment les restrictions qui ont été imposées aux industriels. Nos technologies et notre savoir-faire, notre expertise dans ce domaine-là, va permettre de les aider à réduire ces consommations-là et à maîtriser et à connaître et maîtriser leur consommation. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Enfin, on avait atteint le maximum des économies qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que la donnée qui permet aujourd'hui d'aller plus loin en la matière. Il faut savoir que donc la donnée est évidemment essentielle. Si on veut perdre du poids, il faut connaître son poids. Il faut se peser. C'est le socle, hein. C'est clairement le socle, effectivement. La donnée, c'est la base pour tout le reste. Pour calibrer les efforts à faire. Oui, pour avoir un état des lieux circonstancié, contextualisé, il nous faut cette donnée. C'est vraiment essentiel d'avoir cette donnée et de valider que cette donnée, elle est fiable, elle est maîtrisée, elle est juste. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, c'est la fiabilité de la donnée. Mais c'est essentiel pour tous les aspects après, parce que sur ce socle de données, on va construire toutes les optimisations derrière, donc toutes les études de faisabilité et tous les leviers d'optimisation vont être basés sur ce socle initial qui doit être le plus solide possible, quoi. Et donc, oui, la fiabilité de la donnée, elle est essentielle. Ok. Paul Pelletier, vous vouliez compléter dans ce sens? Non, absolument, oui. On ne maîtrise bien que ce que l'on ne mesure bien. Donc, c'est évidemment absolument prioritaire
est nécessaire de bien maîtriser ces sujets de connaissances et de données sur le cycle de l'eau. Merci beaucoup à tous les deux pour l'exemple très complet. Et on va passer à vous, Antoine Bergen. Vous êtes président d'Yakadev, qui développe des logiciels et des applications sur mesure. On va voir avec vous l'enjeu de digitalisation d'une entreprise. C'est à vous. Ben, merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis le cofondateur de la société Yakadev. On est expert chez Yakadev dans le développement de logiciels sur mesure 100% personnalisables pour nos clients, qui sont généralement des petites, des moyennes, des grandes entreprises, également des collectivités et puis des syndicats des eaux, qui travaillent encore, pour certains, encore beaucoup via Excel ou pour certaines entreprises sur papier. Et donc nous, notre métier, c'est de venir auditer ces entreprises, comprendre comment ils fonctionnent, notamment avec leurs données. Ça se passe généralement en trois étapes. La première étape, c'est de comprendre où est-ce qu'elle collecte ces données. Est-ce que ces données, et ça c'est la deuxième étape, sont des données correctes, est-ce qu'elles ne sont pas juste fausses ou mal renseignées. Et enfin, la troisième étape, c'est qu'est-ce que ces entreprises ou ces collectivités font de la donnée. Et ça, c'est aussi très important après pour définir les modélisations qu'on peut venir apporter. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec notre audit. Et puis derrière, on va venir appliquer les solutions sur mesure, les personnaliser pour nos clients et venir les déployer donc dans l'ensemble des différents services de chez nos clients. Et ce qui est important, et ça c'est aussi notre savoir-faire vu qu'on fait du sur-mesure, c'est de venir greffer nos solutions dans le système d'information actuel des entreprises. Souvent, on constate qu'il y a beaucoup de duplicata de données ou de ressaisies de données entre les différents outils. Et nous, pour nous, ça c'est une aberration. Il faut vraiment réussir à connecter l'ensemble de ces outils pour centraliser l'information et être sûr qu'on travaille sur les bonnes données. Et j'imagine qu'il y a des niveaux très différents. On parlait même de données papier. Il doit y avoir un panel très large d'entreprises et de gestion de la donnée. Tout à fait. Alors après, on a des entreprises qui sont plus ou moins évoluées en fonction, je vais dire, de leurs activités. Mais on peut très bien parler d'un canalisateur qui fait encore tout sur papier, sur le terrain. Donc là, il y a une digitalisation progressive, mais très importante à venir apporter à ces entreprises. Comme on peut parler de syndicats des eaux qui collectent énormément de données à travers l'ensemble des communes, l'ensemble de leurs partenaires, mais qui sont souvent des données issues d'Excel, travaillées sur différentes versions d'Excel, et qui ne sont pas encore tout le temps, je vais dire, des données correctes au sein de leur modèle. Donc il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ces cas-là. Donc une fois que vous les avez un peu, vous, mises en forme et que vous créez un peu la structure, si je puis dire, on en fait quoi de ces données-là? Elles servent à quoi? Bah, je vais prendre un cas concret pour un syndicat des eaux. On vient automatiser, je vais dire, la collecte de leurs données. Donc l'ensemble des communes et de leurs prestataires viennent déverser dans un entrepôt de données, donc je vais dire une sorte de plateforme, l'ensemble des fichiers Excel, un relevé des collectes et des prélèvements. Après, derrière, on vient appliquer des formules qui viennent vérifier que la donnée soit correcte. Donc on vient essayer de regarder si la donnée correspond bien à de la donnée habituelle. Si c'est pas, voilà, si c'est pas le cas, on vient alerter, parce que l'idée, il ne faut pas non plus que ça soit l'outil qui fasse à tout à 100%, parce que c'est là où des fois on arrive sur des erreurs. Donc on vient faire en sorte que s'il y a une anomalie détectée, bien de venir prévenir la bonne personne au bon moment. Et puis, une fois que ces données sont analysées, et donc elles sont bien entendu horodatées, ça c'est très important, pour pouvoir venir travailler cette donnée dans le temps. Et puis, derrière, on vient automatiser, parce que là, c'est beaucoup la problématique des syndicats, mais c'est-à-dire, je vais venir générer les différents rapports, comme leur RPQS, leur rapport des prix et qualité des services pour l'eau. On vient transmettre ces données sur les différentes plateformes de l'État, comme CISPA, pour venir répondre plutôt à des données, je veux dire, obligataires, mais qui est aussi essentielle. Et on vient modéliser cette donnée pour venir derrière faciliter son analyse à travers différents tableaux graphiques en fonction des demandes de nos clients. Donc ça, c'est un cas concret pour un syndicat des eaux, par exemple. Et vous travaillez plus spécifiquement justement dans le secteur de l'eau, ou il y a tout type de secteur que vous représentez?
Alors, on est multicasquette. C'est vrai qu'on a commencé l'aventure Yakadev avec des entreprises, avec des canalisateurs, des entreprises dans le travaux publics. Donc, on a une forte expertise dans ce secteur-là. Et indirectement, après, derrière, on a été amené à travailler en fait, dans tout secteur d'activité. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille dans tous les secteurs d'activité ont besoin de digitalisation. D'accord. Vous avez cité aussi, encore une fois, cet exemple-là de station. Mais de manière plus générale, quel est le bénéfice de votre solution pour le secteur de l'eau qui nous intéresse aujourd'hui? Elle est assez commune au final à l'ensemble de nos clients qui font appel à nous. C'est d'avoir une solution sur mesure pour venir gagner du temps parce que automatiquement, dès qu'on va pouvoir automatiser un ensemble de process, ben, sur la durée, on vient gagner quand même pas mal de temps. Venir vérifier, sécuriser la donnée, ça aussi, c'est des enjeux qui sont très importants pour nos clients. Donc, automatiser, sécuriser et puis après ben, fluidifier la transmission et l'ensemble, l'échange d'informations entre les différents services, ça aussi c'est un grand bénéfice pour nos clients. Mmh. Est-ce que tous, avant de donner la parole pour clôturer, est-ce que tous vous avez senti en proposant vos solutions, il y avait derrière des attentes de réduire les consommations, de sobriété? Est-ce que c'est des langages aujourd'hui? Est-ce que la donnée, la technologie aujourd'hui, clairement, on veut l'utiliser à ces fins-là? Alors, pour notre cas, je pense que, in fine, c'est l'objectif. Il y a aussi, quand on est dans le privé, une histoire de rentabilité, de productivité, et ça, c'est très important. Donc, je pense que, indirectement, c'est là où est-ce qu'on veut arriver, mais pour arriver ici, ben, il faut déjà être efficace, répondre à l'ensemble des obligations réglementaires, qui est aussi de plus en plus accrue. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la digitalisation qu'il n'y a pas de plus en plus de démarches administratives à faire. Donc, il y a toute cette partie-là à faire en amont pour, in fine, effectivement, venir faire des économies, venir mieux s'organiser. Et en tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, chez Yakadev. Ok. Les autres, est-ce que c'est des attentes qui émergent de plus en plus? Si vous souhaitez répondre. Bah volontiers. Alors, nous, on l'entend plus qu'on ne le voit, le discours sur la sobriété numérique. On a choisi chez BWI de fournir des données uniquement dans des zones où nos clients y ont un intérêt, et donc où nous y avons un intérêt économique. C'est-à-dire qu'il y a une carte et puis il y a des zones non couvertes parce qu'on n'y a pas de clients. Et on a beaucoup de mal à faire comprendre cette idée que au stade de la démonstration, qu'on doit entraîner le modèle à fournir de la prévision, donc en général ça prend 12 heures, c'est pas très long, pour pouvoir réaliser une démonstration. Et en fait, tout ça est uniquement une démarche de sobriété numérique, justement. On sent une tension entre je souhaite avoir tout de suite maintenant et la nécessité de pas faire tourner des clusters de serveurs pour rien si derrière on n'a pas de revenus en face et pour le coup on paye notre hébergeur à fournir une donnée qui sert à personne. Donc il y a encore, selon moi, encore quelques marches pour parvenir à une société qui fait attention à ses consommations de ressources et au gaspillage numérique. Et la donnée, le numérique peuvent être utilisés, évidemment, ils le sont là à bon escient. Nous allons clôturer ces riches présentations avec vous, Pierre Lefondre. Vous représentez le pôle Aquanova. Vous allez nous en dire un mot et aussi nous parler, je crois, de l'initiative Loire-Vallée Data Hub. Oui, en effet. Donc, alors, le pôle Aquanova, on est le pôle de compétitivité de la filière de l'eau présent dans la région d'Orléans. Et on est présent aussi à l'est, notamment dans le secteur de Strasbourg. Donc, région Grand Est. Et donc, au sein de la région Centre-Val de Loire, il y a eu le développement du projet Loire-Vallée Data Hub. Alors, ça fait partie d'un programme européen qui sont les EDIH, dont l'objectif est de sensibiliser aux enjeux du numérique et des nouvelles technologies, avec tout un tas de thématiques, des plus connues comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, mais aussi des choses plus triviales, s'équiper d'un CRM, veiller à avoir une bonne image en ligne, économiser des ressources. Alors pour ça, on commence par évaluer la maturité numérique des entreprises et entités cibles, donc des TPE, PME, ETI et collectivités, via un petit diagnostic. C'est personnalisé. L'objectif, c'est vraiment de comprendre quelle est l'entreprise et quels sont ses besoins, quelle est sa situation, afin de pouvoir ensuite l'aider à mobiliser tous les outils qui vont être disponibles pour une transformation, une transition numérique réussie.
que ce soit former son personnel, développer des compétences, avoir une stratégie digitale plus claire, voire en avoir une tout court, que ce soit de prendre en compte l'environnement de travail, que ce soit de faire appel à d'autres entreprises qui ont des compétences, qui peuvent venir l'aider, lui apporter ce qui lui manque. Et donc cet accompagnement qu'on met en place, ça va inclure, donc, comme je disais, formation, le suivi, les conseils et l'aide au montage des appels à projets, parce que bah, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément les moyens de mettre tout ça en place, alors que c'est nécessaire. Hein. Qu'il s'agisse d'économiser les ressources pour l'environnement ou simplement de faire des économies pour soi-même ou de s'assurer que les données qu'on héberge ne seront pas volées par le premier pirate venu, tout ça, ça coûte cher. Alors du coup, c'est effectivement pour ça, comme je dis, que l'Europe a mis en place tout un réseau. On est 151 pôles répartis à travers l'Europe, dont 16 en France. Et l'intérêt de ce réseau, c'est que chaque EDIH est un ancrage local avec ses propres compétences, mais fait partie d'un réseau global où chacun va avoir ses propres thématiques. Donc nous, nous sommes le pôle Loire-Vallée Data Hub qui va s'intéresser à la cosmétique, à l'eau à travers Aquanova, à l'agriculture, et chaque pôle va avoir ses propres... non, revenez en arrière, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, d'accord. Merci. Voilà. Donc, chaque pôle va avoir ses propres spécialités. Et donc, alors en quoi ça consiste un accompagnement par un EDIH et plus particulièrement par le Loire-Vallée Data Hub? Alors, il y a un pré-test en ligne qui dure 20 minutes maximum et qui n'engage à rien. Il y a ensuite un entretien d'évaluation, construction de projet, qui va nous permettre de définir un plan d'action, un programme d'accompagnement, où là, il y a une forme d'engagement qui est prise, mais c'est un engagement qui, il faut bien le comprendre, va être gratuit pour l'entreprise, puisque tout est pris en charge par les aides publiques de l'Europe. Et donc, on va pouvoir ainsi mettre en place l'accompagnement, le suivi, et permettre à la personne, à l'entreprise, à l'entité qu'on accompagne, d'assurer sa transition numérique dans de meilleures conditions possibles, de trouver les prestataires, de trouver des financements, de former son personnel. Et donc, de rentrer dans ce monde digital dont on a eu une toute petite ouverture aujourd'hui à travers l'eau. Voilà. Et justement, quel regard vous portez sur ces innovations qui ont été présentées aujourd'hui et ce qu'elles apportent au secteur de l'eau? Elles apportent énormément. Hein. Ça fait depuis extrêmement longtemps qu'on essaye de prévoir à l'avance quelle quantité d'eau on va avoir, qu'on essaye de préserver les ressources. On le voit dès l'aube des civilisations, ça a été une de nos préoccupations majeures. Alors on l'a un petit peu perdu de vue dans certains endroits, chez nous notamment en France, l'eau c'était abondant, hein, on en avait partout. L'eau elle est sale, bon, on n'a qu'à l'acheter. Hein. L'eau, on a besoin d'irriguer, on irrigue au pif, de toute façon il y en aura plein. Sauf qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la ressource elle est limitée, hein, surtout quand on a de plus en plus d'acteurs qui s'en servent. Et la ressource, elle ne va pas aller en s'arrangeant parce qu'on a le changement climatique qui vient un peu perturber toute notre situation. Donc tous les outils qui vont venir nous permettre soit de prédire des évolutions, soit de faire le suivi de notre situation actuelle, tout ce qui va nous permettre d'optimiser la consommation de la ressource, c'est indispensable à la filière de l'eau et c'est indispensable en fait à la société en général, aux entreprises qui vont chercher à faire ces économies, aux entreprises qui vont les y aider, aux sociétés qui vont en bénéficier, aux collectivités qui vont en profiter. On a tous un intérêt à mieux gérer notre eau et le digital, qui est la forme la plus moderne de gestion de l'information, nous apporte une nouvelle surcouche pour le faire. Est-ce que ça change la donne vraiment et est-ce que c'est représentatif aussi du fait qu'on s'empare depuis pas très longtemps peut-être de ce sujet-là? Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais est-ce que c'est représentatif d'une dynamique nouvelle? Alors, dynamique nouvelle, oui, puisque le numérique en soi est nouveau. Oui, parce que, comme je l'ai évoqué, on n'a pas toujours eu, en tout cas dans certaines régions du monde comme la France, on n'avait pas forcément en tête la nécessité de gérer l'eau avec autant d'assiduité. En même temps, rien de nouveau parce qu'on a toujours eu à le gérer, ça c'est sûr. Mais oui, ça reste préoccupant, ça reste quelque chose qui est porteur pour notre avenir. Et
et avec un double aspect en plus, peut-être que je devrais évoquer, c'est que l'eau, elle est indispensable, le numérique est indispensable aujourd'hui pour gérer l'eau, mais l'eau est indispensable au numérique. On a eu plusieurs de nos intervenants qui nous ont parlé de serveurs informatiques où on va mettre nos données, on va faire tourner des modèles. Sauf que le serveur informatique, il dégage de la chaleur et bien souvent, on le refroidit avec de l'eau. Donc ça veut dire. Je ne vais pas poser la question pour ne pas faire polémique, mais effectivement, il y a aussi peut-être cette préoccupation interne aux entreprises d'être exemplaires aussi sur les consommations. Et du coup, pour faire tourner des modèles pour optimiser notre consommation d'eau, il faut optimiser la consommation d'eau du serveur qui fait le calcul. Et ça, c'est quelque chose que vous faites en interne aussi, de dire on doit commencer par nous-mêmes, peut-être, cette préoccupation de calculer une consommation juste de notre outil. Ou c'est pas encore question piège, hein. C'est pas moi qui l'ai soulevé. Hein. Alors, les équipes, enfin les écoles d'ingénieurs aujourd'hui forment clairement au développement informatique sobre en ressources. Hein. C'était quelque chose qu'on avait perdu. Enfin, la génération de mes parents était très sensibilisée parce qu'il y avait des limites physiques aux machines qu'ils exploitaient ou il y avait des cartes perforées ou donc la mémoire disponible ou la puissance côté processeur, côté machine était très limitée. Quand ma génération a été formée, on nous disait maintenant c'est l'ère du cloud, servez-vous. On a donc perdu le côté économique, et ça revient alors pour mille et une raisons. Hein, l'IoT, l'informatique embarquée, limite à nouveau, et le fait qu'il y ait des devices partout, ça limite les ressources disponibles. Et donc, il y a une sensibilité des développeurs qui arrivent sur le marché ou qui y sont depuis peu longtemps qui est tout à fait vertueuse et qui nous permet de conduire le changement en interne pour un développement plus sobre. Ensuite, il y a aussi le fait d'utiliser des data centers qui exploitent à 100% de la production d'énergie renouvelable. Nous, par exemple, on est chez un hébergeur, le but n'est pas de le citer, mais qui est un des grands hébergeurs français, fournit de manière certifiée et traçable 90% du mix énergétique en ENR, 100% en ENR et 90% en hydroélectricité. D'accord. Donc on y voit comme une sorte de cercle vertueux. Ok, merci. Oui, effectivement, ça commence par là, peut-être, les énergies renouvelables de ces fameux data centers dont on parle beaucoup. On peut prendre quelques questions du public. On a quelques instants avant de clôturer cette conférence qui était très remplie. Oui, alors il y a le micro. Madame va vous apporter le micro. Pour revenir au thème de l'eau et de la réglementation, est-ce qu'on peut imaginer que si on partait de zéro au niveau réglementaire, vous pourriez définir les données de qualité dont vous avez besoin et d'inventer une réglementation, une façon de gérer la police de l'eau qui serait beaucoup plus légère pour tout le monde, qui permettrait de gagner des postes dans la fonction publique et qui donnerait une réalité de la ressource en eau en se donnant les moyens de mise en place des capteurs nécessaires et puis de l'autre côté le fait de suivre les consommations. Quand on a les consommations et quand on a la réserve, a priori on n'est pas loin de la vérité. Alors qui veut répondre? Est-ce que c'est eux qui sont au bon niveau entre guillemets, si je puis dire de réponse en tant que porteur de solution, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Ma question, c'est qu'on est actuellement bloqué par nos raisonnements. On prend la réglementation telle qu'elle est, avec la lourdeur des processus, avec le fait qu'on souhaiterait quelquefois des données extrêmement précises et faciles à collecter, et qu'il y a finalement une incompréhension qui fait que cette donnée impérative, par exemple, calculer, avoir la donnée des pompages en irrigation, de façon la plus sûre possible. C'est bizarre que l'on ne se donne pas les moyens de le faire, puisqu'en fait, on le fait dans tous les autres domaines. Pour nous, usagers, les exploitants de réseau, en fait, c'est une donnée. L'électricité, c'est pareil. Donc, pourquoi dans l'usage de l'eau, les usagers sont connus quasiment. Donc, le principe de protection des données, en fait, tout ça, c'est un...
c'est quelque chose qu'on a inventé pour ne pas produire, pour ne pas fournir. Globalement, on est tous amenés. On nous a pas demandé notre avis quand on donne nos données de consommation énergétique et consommation d'eau. L'irrigation, je pense que c'est pas forcément le thème du moment et on va avoir du mal à répondre. En revanche, sur la question peut-être de la transparence des données, est-ce que vous vous trouvez, dites-moi si je me trompe complètement dans l'analyse de la question, mais est-ce que voilà, il y a une transparence des données, est-ce que vous avez accès à tout, ce que vous souhaiteriez pour pouvoir développer vos solutions? Je vais essayer de transformer ça, mais je ne sais pas si je suis très fidèle à ce qui est demandé. Alors moi, je peux amener quelques éléments de réponse. Merci. Je ne pense pas répondre à l'intégralité de la question, mais en tout cas sur la sécurité des données. C'est un vrai sujet, nous, dans le milieu industriel, c'est un vrai sujet sur lequel on est challengé au quotidien. Donc, nos clients, c'est... Alors, je vous rejoins, hein, je pense que les données, quand on parle de données de consommation d'eau, et à mon sens, il n'y a rien de très stratégique là-dedans. Bon, quoique pour certaines industries, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie sensibilité là-dessus. Nous, on a des clients comme des grands acteurs du nucléaire, hein, des Orano, on a des acteurs aussi de l'armement. Ces gens-là, c'est la première question qui est posée chez eux, c'est la sécurité des données. Donc, on est ISO 27001 pour cette question-là. On est très sensible, nos développeurs sont très sensibles sur la question, y compris, je reviens à la question précédente, sur la sobriété aussi de nos hébergeurs. C'est vrai qu'on a aussi, nous, on prône la sobriété chez nos clients. On va avec notre bâton de pèlerin quand même pour accompagner nos clients industriels dans cette transition. Le premier pilier de la transition, c'est quand même la sobriété, et on se doit de se l'appliquer à nous-mêmes. Donc on est vigilant par rapport à ça. Après, personne n'est parfait. Pour en revenir en tout cas à la sécurité des données, oui, c'est un vrai sujet. Bon, nous, on essaie d'y apporter des réponses, mais on a besoin de ce socle de données, encore une fois. C'est la base pour la suite. C'est la base pour échafauder des solutions d'optimisation. Donc la donnée, pour nous, elle est indispensable. Vous l'avez compris aussi, c'est le cœur de notre métier. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, la sécurisation des données, quelle qu'elle soit, c'est un vrai sujet pour nos clients, alors qu'on n'est pas dans le secret de fabrication, on est sur des données qui sont globalement des données de consommation, qu'elles soient énergétiques ou hydriques. Bon, c'est pas... Après, sur des données de production, accessible. On peut comprendre qu'il y a un peu plus de sensibilité, mais c'est vrai que c'est un sujet, nous, on y répond par des mesures de sécurité. Vous vouliez dire un mot, Jérémy Fin? Oui, alors, bon, si je peux me permettre de reformuler, j'ai compris qu'il y a deux questions. Il y en a une première question qui est, on a une feuille blanche, est-ce qu'on sait faire des réglementations sur l'eau parfaite? Et il y a une seconde question qui est, pourquoi certains se permettent de ne pas partager leurs données? Sur la première question, je pense malheureusement qu'on ne saurait pas faire un programme de partage des eaux parfaites, tout simplement parce qu'on ne sait pas à l'avance, et c'est toute la beauté de la nature, combien il y aura de ressources en eau pendant l'année. Donc on a le principe, enfin la gouvernance donc qui fête ses 60 ans demain à Limoges, la gouvernance d'eau, enfin la loi de 1964 qui a donné naissance aux agences de l'eau, et ce fonctionnement français s'exporte d'ailleurs dans pas mal de pays du monde, et c'est un modèle qui fonctionne, qui est sédimentaire, c'est-à-dire que chaque année à l'échelle de chaque bassin, donc il y a 6 grands bassins versants en France, les parties prenantes se rencontrent et définissent des règles de partage. Alors, ils peuvent se mettre dessus pendant toute l'année. Au final, tous voter, être d'accord sur un schéma de partage. Et c'est un fonctionnement démocratique en France qui a fait ses preuves et que beaucoup nous envient. Ça, c'est sur. Enfin, c'est mon point de vue sur votre première question. Sur la seconde. Alors oui, il y a des limites à tout. Par exemple, on adorerait nous disposer des programmes de lâcher de barrage, parce qu'évidemment, sur des cours d'eau influencés, on ne sait pas. Enfin, par définition, on se trompe, hein, vu qu'on ne sait pas quand quelqu'un prendra la décision manuelle de lâcher de l'eau. Mais il n'y a pas que l'homme qui prélève. Il y a aussi la nature qui fait son travail. Et par exemple, sur des géologies karstiques, enfin dominantes calcaires, il y a de l'eau qui disparaît, il y en a qui réapparaît, et donc. Un schéma de partage parfait, quand bien même l'homme déciderait de fournir ses données complètement, il y a aussi le travail de la nature. Et donc, on sait par définition, quand on fait de la prévision, c'est comme en économie ou en météo, on sait qu'on vit dans un monde incertain et on essaye de faire au mieux. Mais, donc, pour nous, ce serait super, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des opérateurs privés qui, entre eux, se font concurrence et donc ils veulent pas fournir à leurs concurrents l'information. Et c'est des choses qu'on peut comprendre et c'est des choses qu'on voit tous les jours. Merci beaucoup. Vous vouliez compléter? Oui, juste sur l'aspect réglementaire,
là, enfin, voilà, je réfléchissais là, pendant que monsieur parlait, mais y a, c'est aussi un moteur, ça peut être un frein, la réglementation peut être un frein, mais c'est aussi un moteur, on le voit avec les arrêtés sécheresse, nous, dans le monde industriel aujourd'hui, la ressource hydrique, si on veut être un brin provocateur, on peut dire qu'elle est gratuite. Pour un industriel, l'eau, elle ne coûte rien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le vrai coût, ce n'est pas le coût intrinsèque de l'eau, mais ça, ils n'en ont pas tous conscience encore. Ce qui les pousse là aujourd'hui à agir, c'est les arrêtés sécheresse et c'est le risque de devoir arrêter leur production. Oui. Parce que si demain, en cas de crise, on leur dit vous devez couper, vous devez réduire de 25% vos consommations, ben, clairement, moi j'ai un certain nombre de clients aujourd'hui qui me disent je ne sais pas faire. Alors que je suis persuadé qu'on les trouve, hein, les 25%, en regardant un peu ce qu'ils consomment et en s'attachant à faire du sous-comptage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est piloté à vue. Très souvent, il y a un compteur en entrée et puis ça s'arrête là. Hein. Sur l'eau, je schématise, je grossis très volontairement, mais vu que ce n'est pas un enjeu économique, le premier moteur des industriels, ça reste quand même l'économie. Hein. Donc, il n'y a pas d'enjeu économique sur l'eau, donc il n'y a pas d'action. Et la réglementation, c'est moche à dire, mais c'est quand même ça aujourd'hui qui pousse les arrêtés sécheresse. Aujourd'hui, mettre l'épée de Damoclès au-dessus des industriels et ça les pousse à agir et à s'intéresser à la question. La perspective d'une perte d'activité. Ouais. Mmh. Et à l'inverse, ça peut être, on peut le voir aussi, le manque de réglementation, notamment sur les sujets reuse. C'est aussi ça qui a pendant longtemps un peu freiné. En France, on est en retard, hein, parce que pendant longtemps, on pensait que c'était pas possible de le faire. Alors l'exemple Monin, pour ceux qui ont suivi, montre que c'est possible, mais quand même à grand frais d'effort quand même. Hein. C'est un sacré boulot. Voilà, la réglementation va évoluer. Je pense que tout ça, ça va s'accélérer. Mais voilà, pour en revenir au sujet de la réglementation, si on n'avait pas de réglementation, je pense que honnêtement, ça serait un beau chaos quand même. D'accord. Oui, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Merci beaucoup. Il y avait une question. Oui, monsieur. Bonjour. Antoine Blanchard, à tous. Alexandre, je pense que vous pouvez garder le micro parce que je pense que vous aurez des éléments de réponse à me donner. Ah, je voulais continuer à faire un parallèle eau-énergie. Il y a le décret Bax qui va contraindre des bâtiments tertiaires à pousser le suivi des consommations énergétiques, notamment au niveau de 5 postes d'usage énergétique. Dans quelle mesure on aurait la chance d'avoir la même chose bientôt ou prochainement sur l'eau? Alors, vous avez notamment parlé des bâtiments industriels, mais peut-être d'autres types de bâtiments, tertiaires, habitations. Dans quelle mesure ces sous-compteurs qui sont mis en place sur l'électricité dans certains bâtiments, en gros, on a l'occasion prochainement de les voir arriver sur le sujet eau? Je ne suis pas dans le secret des dieux sur l'avenir de la réglementation, mais effectivement, aujourd'hui, sur l'énergie, le décret tertiaire et le décret Bax, ce sont deux décrets qui poussent à l'action. Alors, pas tellement dans l'industrie, parce que le décret Bax un petit peu, mais le décret tertiaire un peu moins, parce qu'en fait, on va rentrer dans des choses un peu techniques, mais ça s'applique aux surfaces tertiaires, et les industriels aujourd'hui, des surfaces tertiaires, bien sûr, ils en ont, parce que le décret s'applique à plus de 1000 m² de surface assujettie, enfin, considérée comme tertiaire. Alors, ça concerne un certain nombre d'industriels, mais malgré tout, ces surfaces-là, les usages énergétiques de ces surfaces-là sont des pouillèmes pour l'industrie. Un industriel qui a une activité de production, les consommations de ses bureaux et de ses surfaces de stockage, c'est du chauffage, de l'élec, de l'éclairage, etc. Mais c'est au final assez faible au regard du reste. Donc, il mène des actions, mais là aussi, c'est un peu poussif quand même, on le voit. Alors, sur l'eau, je ne sais pas. Un jour, peut-être qu'on aura... Moi, j'aimerais bien aussi qu'on ait une empreinte eau. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empreinte carbone. Ça serait bien un jour qu'on ait une empreinte eau, ça serait intéressant. On a aujourd'hui quand même, on reparle de la donnée, mais on a aujourd'hui des banques de données qui permettraient de faire ces choses-là. Encore une fois, la réglementation va pousser au sous-comptage. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, l'arrêté sécheresse, il pousse indirectement à ça, à mettre du sous-comptage et à évaluer les différents usages, à améliorer les cartographies eau dans les usines. Hein, quand on parle de cartographie eau, pardon, c'est identifier les usages. Quantitativement et qualitativement, c'est ça qui va permettre après d'imaginer des bouclages aussi entre la ressource qu'on peut avoir, parce que malgré tout les rejets d'une industrie peuvent devenir ressources, donc et faire le lien entre les ressources et les besoins. Bon, je sais pas s'il y aura. Est-ce qu'il faut un nouveau décret? Moi, je suis pas forcément pour non plus. Ce que je disais, s'il n'y a pas de réglementation, c'est le bordel. Mais à la fois, quand il y a trop de réglementation, faut avouer qu'on en a déjà. Je discutais avec l'AFNOR ce matin. Il existe 30 000 normes. Bon, bah voilà, je pense qu'on est déjà bien avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le pouvoir contraignant à un moment de la réglementation. De toute façon, c'est une ressource qui se... On le voit, enfin, aujourd'hui, c'est une ressource qui se tend. Donc, à partir de là... Ça évoluera nécessairement. Le premier pilier de la transition, encore une fois, c'est la sobriété. C'est pas pour rien. C'est que de toute façon, il faudra passer de manière volontaire ou subie, il faudra passer par cette case-là. Donc, et pour passer par cette case-là, comme le disait très justement Paul, on ne maîtrise bien que ce qu'on mesure bien. Et si on pilote à vue, on n'y arrivera pas, quoi. Donc,
En partie de réponse, pas réponse concrète et définitive, mais une partie de réponse. Et on va finir avec une dernière intervention. Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, je pense qu'on est, à l'aube uniquement aujourd'hui d'une amélioration de la gestion d'une ressource qu'on a considérée jusqu'à présent comme illimitée. Or, notamment 2022 a montré qu'elle n'était absolument pas illimitée et que pour gérer de façon économique, mais aussi pour pouvoir continuer à vivre, il va falloir qu'on gère autrement cette ressource en eau et donc qu'on l'en mesure. Alors, je prendrai juste un exemple. Beaucoup de prélèvements pour l'irrigation aujourd'hui ne sont même pas comptabilisés. Il n'y a pas de compteur. Donc compter, et ce n'est pas seulement qu'un compteur à l'entrée de l'usine ou de l'activité quelle qu'elle soit, mais bien d'avoir du sous-comptage pour pouvoir derrière gérer et de gérer économiquement. Voilà. Et je pense qu'un des moteurs, ce sont les arrêtés ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, qui aujourd'hui, systématiquement, prévoient des réductions d'utilisation de l'eau en cas d'arrêté sécheresse. Voilà, 10 ou 20%, etc. Et donc, à partir de là, il va falloir effectivement être un petit peu plus intelligent et se donner des moyens de gérer et donc de commencer par compter. Pour pouvoir gérer, il faut d'abord savoir ce qu'on fait, donc de compter. Et on l'a très bien vu dans cette conférence, merci beaucoup. On l'a vu aussi tout au long de ces deux jours, bien mesuré pour pouvoir après bien agir. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir donné plein d'idées, d'avoir joué le jeu du rythme, on sait que c'est pas facile. Et merci à Aquanova d'avoir proposé et piloté cette thématique. C'est également la fin de ce cycle de conférences sur le salon Cyclo Centre-Val de Loire. Nous étions très heureux de venir échanger avec les acteurs de ce territoire très motivés sur toutes les thématiques autour de l'eau. C'était très riche pendant deux jours. Un merci tout particulier aux partenaires de ce salon et à ceux qui nous ont aidés à préparer et à monter ces conférences sur deux jours. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Orléans Métropole, la région Centre-Val de Loire, le BRGM, Aquanova. Merci à Bertrand Dugrin, Cédric Moriot et Révé Gaborio qui ont piloté en bonne partie le contenu de ces thématiques et qui nous ont grandement accompagnés. Oh, ils sont mignons, regardez-les. Merci également à Caroline Braun, la grande maîtresse d'œuvre de ces conférences, et bien sûr, les équipes techniques de Lumens qui sont absolument intenables et tout aussi pro qu'elles sont joyeuses. Merci. N'oubliez pas, vous retrouverez le contenu riche de ces 7 conférences dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Vous pourrez revisionner tout ça. Jean-Claude Lasserre, est-ce que tu voulais dire un mot, président de l'association Cyclo ? Alors j'ai fini et je conclue. Bonne fin de salon à tous. Rendez-vous sur les prochains événements Cyclo. Il y a la journée thématique Mont Blanc à Sallanches le 20 février, le salon Cyclo à Montpellier les 19 et 20 mars 2025, à Bordeaux le 21 et 22 mai et à Clermont les 5 et 6 novembre. Beau programme 2025. Un ajout de dernière minute. Et la Corse en septembre 2025, avec grand plaisir, la Corse. Même si on a adoré être à Orléans, merci beaucoup.